Eh bien salut tout le monde, c'est Full Game Set, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de notre aventure sur The Evil Within sur PC. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va très bien. J'ai enchaîné de suite avec l'épisode 5, donc dans l'épisode dernier, on n'avait pas fait grand chose, on avait un peu avancé, on avait revu notre pote Joseph qui était dans un genre de baignoire, il était un peu sous hypnose on peut dire, et il a des violents mal de crâne, il a failli nous tuer bien évidemment, bon c'est la vie d'amis, hein, on va dire ça. Oh, des balles, on va prendre. On s'était custom le cerveau, donc on avait amélioré nos capacités de chargeur, les allumettes, le pompe, donc voilà. Donc, on est plutôt bien. En plus, notre vie, elle est comment, là, pour l'instant? Notre vie, elle est... Wow, on a la vie encore, donc je veux dire, on va pas s'en plaindre. Donc, on est parti. Je sais pas ce qu'il va nous attendre. J'espère que ça va pas trop galérer. Donc... on est parti. Point de contrôle. Bah déjà, ça rassure. Kidman! Faites-moi sortir de là! Attends une seconde. C'est encore un piège. Regarde. Et bien plus élaboré. Oh là là, ça sent la grosse baston. Ça va? Ouais, ça va. Tu ferais mieux de rappliquer. Ouais, t'inquiète, je fais le pire que je peux. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, je peux pas ouvrir, c'est verrouillé, très bien. On va essayer de se dépêcher, on va pas trop perdre de temps. Bon là c'est la grosse baston là, à mon avis c'est vraiment face baston. Bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Bon on a des mines de partout, des balles de pompe. Il faut que je me manie. Des grenades. Attends, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il faut tuer les gars uniquement? Casse-toi. Hop. Casse-toi. Oula, madame, faut se calmer. Hop, voilà, moi je te vise ma gueule. Ok, donc je pense qu'il doit y avoir un mécanisme à retirer. Hop, tu dégages. Non. Mais genre. Oh, faut se calmer monsieur. Hop, tu dégages. Hop, tu dégages. Aïe. On va se soigner. Dégage. Mais il reste bloqué aussi. Hop, on a une hache. Allez. Non. Mais c'est pas vrai. J'ai frappé. Il frappe le cadavre, ce con. Hop, dégage. Voilà. Il y en a encore beaucoup, ces horreurs. Bah, j'espère pas, non. Bon, on va pas perdre de temps. Je pense qu'il faut aller sauver. Putain, allez, soigne-toi, là, sous le soul. On va foncer. Qu'il doit y avoir un... Ah putain, cassez-vous le... Mais... Oh non, c'est verrouillé, putain. Allez, dégage. Dégage. Eh, oh, faut mourir, madame. Oh non. Putain, t'es où mon pote? Et putain! Ouais, c'est chaud! Bon, déjà, on peut pas passer par derrière, ça c'est clair et net. Putain, c'est chaud! Bon, il y a un mécanisme, c'est sûr, il y a un mécanisme à faire. Je pense pas qu'il faut tirer sur la vitre. Parce que sinon, il y aurait des zombies, je sais pas. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. On a beaucoup de mun. Ah bon, ça va, on reprend là, donc. On va passer la cinématique, hein, parce qu'on la connaît, ça va. Ok. C'est chaud. Allez. Dépêche-toi. Hop, voilà, on passe. Allez, on perd pas de temps. Est-ce que ça va? Ouais, j'arrive, frérot. Tu ferais mieux de rappliquer. Ouais, t'inquiète, j'arrive. Tiens bon, j'arrive. Hop, dégage. Non mais, monsieur, faut mourir. Oh, putain. Casse-toi. Aïe. Monsieur.
Dégage. Voilà, merci. Non, faut que j'arrête d'appuyer sur cette foutue allumette. Hein. Monsieur. Non, faut... Voilà, venez vers moi, venez vers moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Oh, on a une hache. Attends, 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 je prends le gel. Je prends la hache. Je prends les balles. Non! Mais merde! Oh! Casse-toi! Mais dépasse-toi! Mais non! Putain, mais... Bah, je veux bien, oui, mais... On m'emmerde dans tous les sens. Attends, je vais tirer sur ça parce que ça me gonfle. Allez, soigne-toi, soigne-toi. Vite, 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 vite. Casse-toi. Ouais, bah, 2 minutes. Sois gentil, attends. Non, je peux pas passer par là. Est-ce que je peux passer là? On a du gel, on a des balles. Ok, très bien, on prend, on prend. J'ai une seringue, très bien. Je suis dans un cul-de-sac. Mon pote, il est encore full, donc ça va. Casse-toi. Eh, viens là. Ok. J'arrive. T'inquiète, j'arrive. Je fais plus vite que je peux. Putain, c'est stressant. C'est chaud. On va allumer. Mais c'est pas vrai, il y a un truc à faire, c'est pas possible. Je suis mal. J'ai besoin d'aide. Quoi, où t'es? Il me reste encore. Les gars, cassez-vous. Mais attends. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. Attention, ils ont des explosifs. Ouais. Super. Est-ce que ça va? Waouh. J'adore, en plus ils me disent que ça va. Ouais, j'ai juste plus de membres. Attendez, on va regarder ça tranquillement parce que j'ai en fait, je pensais qu'il fallait monter, vous voyez, désactiver un truc. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Allez, on va foncer. On a plus beaucoup de temps. Oui, je sais, t'inquiète. Alors, on va essayer de bien regarder. Je pense qu'il faudra couper l'eau, à mon avis. Il faut couper l'eau, donc faut suivre les canalisations. Allez, on va passer. Ok. Joseph, est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ok. Il y a un truc à faire, là. Tiens bon, j'arrive. Je regarde si c'est pas un truc là. Ah putain, j'ai foiré. Il y a un truc à faire, il y a un truc à faire. Attendez, je vais l'aider quand même mon pote. Merde, je me manie. Ouais. Les gars, foutez-lui la paix. Mais non, mais... Putain, il recharge automatiquement ce con. Mais genre, frère, je t'ai tiré dessus. Voilà. Casse-toi. Hop, voilà, double balle. Il y en a encore beaucoup de ces horreurs. Ouais, il y en a beaucoup, je te le dis, ça c'est sûr. Des balles. Ouais, s'il faut aller. Ah, là, c'est peut-être là. On a peut-être trouvé, non? C'est juste, une zone. Là, très bien, autant pour moi. Ah, mais non! Mais c'est pas vrai! Cassez-vous! Et voilà! Le mec qui rentre, il s'en prend une! Hop, on soigne, vite! Hop, on soigne, de nouveau! Mais casse-toi! Mais! Casse-toi! Oh! Ça fait cher par contre! Une hache, j'ai vu une hache, je crois. Ouais. Ah, ça dur. J'arrive, bouge pas. Frère, je fais le plus vite que je peux. Allez. Je suis crevé. Je peux plus continuer. Allez, soigne-toi. Ouais, 2 secondes. Mais je trouve pas la solution en fait. Pour moi, c'est dans ce genre de zone. Bah, je sais pas, je suis la canalisation dans ma tête. Je peux pas, faut pas casser un truc. Ah, attendez, peut-être mec à l'explosif, peut-être.
Attendez, le mec à l'explosif, peut-être que c'est lui qu'il faut prendre. Hop, dégage. Ouais, c'est ça, il y a un mec à l'explosif. Attention, ils ont des explosifs. Ok, faut lui tirer dessus, je pense. Viens, mais viens. Mais non, mais fais-le venir du schnock. Et voilà. Putain. Non, faut pas faire casser. Ouais, bah je veux bien, mais il tire sur les mecs aussi. Attendez. Bon, on va la refaire plusieurs fois, je pense, cette scène. Ah, super. Ok. Eh les gars, c'est quand vous venez. Tire. Bon, ça, ils tirent. Ils ont des armes. Hop, tu dégages. Hop, je te prends ta hache. Je pense pas qu'il faut lancer une grenade à mon avis. Hop, tu dégages. Attention, ils ont des explosifs. Mais putain, mais t'es pas crédible d'ailleurs. Tu pars. Non, mais oh. Mais frère, je te tire dessus. Putain. Attends. Il doit y avoir un truc. Il est mort. Attends. Il y a encore quelque chose. Merde, attends, je voudrais juste me mettre une grenade dans la gueule en fait. Équipé. Est-ce que je dois tirer sur ça? Hop, je teste. Rien du tout. Nickel. Super. J'adore. Je sais pas, y a pas un truc là? Non. Mais il faut aller où, sérieux? Il y en a d'autres qui rappliquent. Encore? Je suis pas les héros, recule. Bon, on va récupérer déjà tout ce qu'on a perdu. Aïe! Bonjour messieurs! Aïe! Ok, je vous aime bien, mais vous êtes un peu chiant au bout d'un moment. Recharge pas! Aïe! C'est chaud! Et je cours. Non! Putain! Ah! Je vous aime! Please! Sauve-moi! Bah, j'aimerais bien! Une soin. Mais il me laisse pas en plan! Mais il me laisse en plan! Il me laisse tout seul, ce con! Hop! On récupère 200. Non! Mais. Oh putain, j'ai eu le temps à l'esquiver. C'est son pote qui a dû le laisser. Allez, dégage. Oh, bonjour monsieur. Mais non, mais... Mais frère, putain. Eh hey, mais c'est chaud. C'est chaud. Je crois qu'il faut juste tenir en fait. Parce que sinon on aurait déjà eu, je sais pas, un indice du genre... parce que... Quand les mecs sont venus à l'explosif, moi je pensais qu'il fallait faire venir le mec à l'explosif, qu'il fait... Ah d'accord, il y a quand même... Ah ok, c'est bon. On comprend. Je vais récupérer tout ce que je vois. Hein. Je vais pas vous mentir, je vais récupérer tout ce que je vois. Ok. Hop, tu jettes. Ah, je récupère tout là. Ouais, j'arrive, 2 secondes. Alors attends, 2 minutes. Je récupère tout parce que là... Ça va bien la comédie, hein. À couvert, il tire. Ouais, 2 minutes. Hop. Hop, dégage. Hop. Y'a un esclou. Frère, je te tire sur la tête, quoi. On va les cramer, on va essayer de les cramer de temps en temps. Putain, hé, frère, toi tu mets gaffe. Hop, tu dégages, voilà, petit headshot. Ok, on souffle. Attention, ils ont des explosifs. Oui,
Mais je sais, pas besoin de leur dire. Une hache. On va prendre la hache. Why? Fais le péter! Fais le péter! Je stresse partout et n'importe quoi. Il est mort. Bah oui, hein, en quelque sorte. Il y a encore quelque chose pas loin. Oh là là, vous sentez le petit boss là qui arrive? Putain, mais c'est pas vrai. Je joue pas les héros, recule. T'inquiète, je fais ce que je peux. Aïe! Alors. Mais c'est une blague! Je t'ai mis une hache dans la gueule, tu devrais crever normalement. Est-ce que ça va? Ouais, a priori. Attends, 2 secondes. Hop. Boum! Voilà! Ça c'est ce qu'on aime! Non mais vous êtes pas mort, sérieux? Oh, faut crever, hein! Oh, faut crever au bout d'un moment! Voilà! Putain! Hop, crève! Attention, ils ont des explosifs! Oui, j'ai vu ça, t'inquiète. Derrière toi! Non! Putain, le con! Putain, j'étais tellement préoccupé par lui que j'ai pas fait gaffe à l'autre! Je savais même pas qu'il y en avait un autre! Wouah! Putain, mais elle est chaude cette phase! Putain! Mais moi, si j'avais été là, mais j'aurais pété la vitre, moi! Mais tire! Mais c'est pas vrai! Oh! Non! Casse-toi! Crève. Attends, soigne. Attention, ils ont des explosifs. Munitions. Ah, les gars, explosifs sont où? Allez! Voilà, ça c'est fait. Je commence à plus avoir de balles. Okay. C'est bon? C'est bon? On peut souffler un peu? La vache. C'était juste. Oh putain, enfin! Oh, je récupère. Un coup d'œil à ce truc. 2 minutes. Je te jure, donne-moi 2 minutes. Laisse-moi le temps de tout reprendre là. Attends, j'ai rien oublié. Non, ça va, c'est une chaise. Oh la vache! Alors, je sais pas si je vais cuter les moments, mais je vous assure que c'était long. Hein. Oh mon dieu. C'est chaud. C'est vraiment la grosse phase chaude. Ah, en plus, il y avait cette zone aussi que j'avais. Ah, rien. Il y a encore des mecs en plus. On va recharger complet. Hein. On va tout recharger. Eh, j'espère que je mérite vraiment les munes qui vont venir. J'avais le carreau, vous me direz. J'aurais pu utiliser le carreau, mais c'est une arme assez lente. Je veux dire, si j'avais eu le carreau en plein combat, ça aurait pas été vraiment le meilleur de luxe. Bon, entre temps, elle est en train de... L'eau, par contre, en tout cas, l'eau, elle a pas du tout bougé. Hein, c'est... J'arrive pas à l'ouvrir. Bah... Je crois qu'il y a un autre panneau de commande par ici. Où ça? On a plus beaucoup de temps. Oui, bah merci, mais où? Où il va, ce tuyau? J'y vais. Dis-moi ce que je dois faire. D'accord, allez. Ah d'accord, ok. Entre temps, la cuve elle s'est vidée. Bon là on va prendre le pompe clairement. Voilà, s'il y a ça. Hop. On récupère. Why? Ok, bon là je perds pas de temps, je fonce. Beaucoup de temps. Ouais, Dask, 2 minutes. C'est toi. Là, je fonce. Hein. Là, je perds pas de temps, on fonce. Hein.
Hop, je recharge, parce que là, pendant le chemin du retour, je vais en avoir des ennemis, là. Regarde le panneau de commande. Ouais, ouais. Il a le même type de cadran, non? Ouais, un en haut et un en bas. De quoi? Le celui du haut sur 22 et celui du bas sur 5. 22, ok. 22. 4, 5. Est-ce que ça va? Joseph, Kidman! Comme si c'était pas suffisant. Putain. Balle, on va se les faire en bas. J'ai envie de récupérer ce tison. Oh la vache. À moins qu'ils sont tous partis. Ils sont tous partis. Oh, on a une mère. Oh, on a une mère Teresa. Oh merci. Oh mon dieu. Eh hey, mais c'était chaud. C'était vraiment chaud sa mère. Tu vois, je m'attendais vraiment où il fallait la délivrer en plein combat, c'est-à-dire trouver un moyen de la sauver en fait. Je pense que tout le monde a dû réagir de cette manière. Hop. Oh là là. En fait, je m'attendais aussi un peu à un genre, à un boss, entre guillemets, un mini-boss. Vraiment un mini-boss, histoire de... Excuse-moi, je fais un 360, c'est juste pour voir s'il n'y avait pas un truc. Un mini-boss du genre vraiment, voilà, tu tues et ça se calme. Attendez, y'a... Non, c'est une chaise, putain. J'ai des hallucinations maintenant. Oh la vache. Bon, j'aurais pu tous les tuer, mais... J'ai pas vraiment envie de perdre de temps, voyez-vous. Ok, nouveau mune. Putain, on est à la ramasse, hein. Ah, j'ai plus de balles. On va prendre le carreau... Ouais, carreau simple, allez. Tenez bon, j'arrive. Point de contrôle. Où ils sont? On va allumer un peu. Ok, on a rien, même pas une note, une connerie. Ah putain, quand ça se calme, je vous assure, ça fait du bien. Allez, avance. Et j'espère qu'on va pas avoir une autre face chiante. Hein. Dégage. Hop, tu dégages. Voilà. On va faire des carreaux. Voilà. C'est tellement mieux quand on a les crânes. Ah, je voulais pas utiliser mes flingues, ça va. Oh. Jamais, ça va, ça suffit, j'ai déjà usé mes armes. J'ai besoin d'en rajouter. Oh ouais. Oh merci. Hop, du gel. Non, rien. Putain. Bande d'arnaqueurs. Ok. Ok. Ah. Joseph. Attends, je peux remonter? Ouais, je peux remonter, ça va. J'ai vu un truc briller au loin. Faut monter, faut descendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Kidman, vous êtes là? J'ai l'impression qu'il faut aller là-bas, mais je pense que... En fait, ça mène aux deux, je pense. Les deux chemins mènent aux deux. Hop. Alors généralement j'aime pas rager, mais je vous assure que quand je rage, c'est que vraiment j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Bon. A priori, il n'y a pas vraiment l'air d'avoir grand chose. Il nous redonne un peu des balles. Bon, c'est gentil. Question bête, j'ai quoi niveau soin? J'en ai qu'un seul. j'ai une trousse, vous me direz, mais la trousse vraiment j'utilise vraiment quand je n'ai. Déjà j'y pense même pas sur le moment en fait. Ok. Y'a quelqu'un? Ok.
Du gel. Je m'attendais à avoir un peu plus de gel, personnellement. Du genre à 1000 ou 10 000 de gel. Visiblement non. Allez, on va y aller. Okay. Rien. Tenez bon. Ah, bonjour. Vous allez cramer. Attends, est-ce que vous avez... T'as lâché un truc? Non, t'as lâché un truc, ok. Ok. Sébastien. 2 minutes. Non, putain, j'ai eu 500 quand même. Casse-toi. Putain, c'est pas vrai, mais foutez-moi là un peu, hein. Ok. Ok. On a d'autres. Voilà. Il est mort, il est mort. T'inquiète, je le tue. C'est bon? On peut respirer? Vous n'êtes pas blessé? On va bien. Elle est où, Kidman? Ah d'accord, elle est là, putain, elle est d'accord, on s'est tout occupé, elle a rien foutu, c'est... J'adore l'esprit d'équipe dans ce jeu. Allez, on avance. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir, Kidman. Si vous n'étiez pas venu... Ok, si ça va là... Bon, t'ouvres, tu fais quoi? Ah d'accord, ok, il est en train de caler une dans... Ok. Ok, je l'ai. Bon, tu fais quoi, là? La porte semble verrouillée par l'autre côté. Sébastien! Peut-être qu'on peut la soulever pour que Kidman passe en dessous et l'ouvre de l'autre côté. On compte sur vous. Ça marche. J'adore le mot soulever. Alors, je vous assure, profitez du cul qu'elle a parce que c'est impressionnant, je trouve. Ce que j'adore, c'est que les personnages féminins de ce genre de jeu, tu vois, ils prennent bien le bon vêtement qu'il faut pour bien mater. Je sais pas si ça vous fait toujours cet effet-là quand vous regardez, quand vous faites des jeux. Je sais pas, vous prenez... Bon là, je prends vraiment le jeu excessif, hein. The First Birthday, si vous vous souvenez du Let's Play, dont d'ailleurs je vous conseille de regarder, si ça vous intéresse. En plus, il est en français, pour une fois, vraiment en français, avec les sous-titres françaises que j'ai trouvé en émulation. Là, franchement, allons-y. C'est vraiment... Bon, là, il y a du fanservice voulu, hein, dans le jeu. Bon. Alors, je crois pas que c'est Kidman, non. Joël avait... Non, pas Joël. Sébastien avait flashé. C'était une autre dame, je crois. Morceau. C'est bizarre. Pourquoi vous capturer au lieu de vous tuer? Peut-être que je ne suis pas une menace pour lui. Lui? Encore une porte avec ce symbole. Oh non! Non, on va pas se retaper la nénette araignée là! Oh non! Tout mais pas ça! Tout mais pas ça! Alors par contre, il y a un miroir. Je veux clairement aller dans le miroir, moi. On a un journal. Faire paire de mariage. Les inspecteurs Sébastien Castellanon et Mira Hanson. On l'immense joie de vous convier à la célébration de leur union samedi 17 septembre 2005 à midi et demi, hôtel Véranda, Crimson City. Une réception suivra la cérémonie. Bon, d'accord. Donc, en gros, il s'est marié avec la nénette. Ok, très bien. Oh putain, on va se taper de nouveau la nénette. Oh mon dieu. On va y aller, on va foncer. Je sais pas si je vais enchaîner de suite avec l'épisode. Sébastien. Oh! Vous avez oublié quelque chose? Attendez, il y a des trucs là, on va... Un paroissien disparu retrouvé à l'hôpital psychiatrique. Des déclarations véritablement scandaleuses. Le paroissien Fernando Cabrera, disparu depuis 8 ans, a été retrouvé à l'hôpital psychiatrique Beacon. La paroisse serait selon lui une secte. D'accord, donc on est toujours dans le même délire de secte. On a un truc disparu. Fernando Cabrera, patient de l'hôpital psychiatrique Beacon, échappé de l'établissement gravement malade et requiert une supervision constante. D'accord. Oh la vache. On va s'améliorer l'endurance, hein. Ça c'est clair et net. Il faut qu'on s'améliore l'endurance.
Déjà, on va aller ouvrir un casier. Putain, dans l'épisode prochain, je vais me chier dessus, ça c'est sûr. Déjà que ça commence à venir, je vous assure que ça commence à venir. Bon là, c'était vraiment un gros épisode d'action, hein. Là, il n'y a aucun problème là-dessus. Là, on avait de quoi faire. On récupère tous les mines. Tout ce qu'on veut, là. Une grenade, je veux bien une grenade. Putain, mais comment je vais récupérer ma grenade, quoi? Qu'est-ce qu'on améliore? On a ouvert déjà 3 casiers, là. 1, 2, 3 casiers, je crois, ici. Tiens, en bas, allez. Du gel. Bon, ok. Je vais pas m'en plaindre. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a là? On a des nouveautés. On n'a rien. Ok, bon, on va aller custom le cerveau. Là, je pense que si on a la nénette, il faudra courir. Ah, c'est ouvert pour une fois. Cool. Pour une fois. Alors, on va custom l'endurance. Parce que sinon, il faut qu'on se tape la nénette. À lui patte là. On va pas le faire. Ok. Temps de sprint maximal. Là, clairement, on l'augmente là. 6000. On prend direct. Full vie, je peux pas. Attaque au corps à corps. Ouais, c'est beaucoup quand même. Le pompe, je trouvais qu'il fait pas assez de dégâts. On va le améliorer tout de suite. Cadence de tir. Vitesse de rechargement. Je comprends. Stock. Est-ce que je peux améliorer au moins un truc, une connerie, une grenade? Ouais. L'allumette. Ah, j'aurais peut-être dû prendre de... 5, ça va, c'est que 3 niveaux, donc on pourra l'améliorer le plus vite possible, ça sera mieux fait. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Les grenades, c'est pratique, mine de rien quand même. Allez, on prend. Ok. Wouah, en tout cas, épisode chaud. Je vous assure que je pensais pas à une telle difficulté. Puis ce qui est chiant, surtout, c'est que quand on veut frapper un ennemi qui frappe le cadavre d'en bas, c'est pas vraiment très agréable. On va sauvegarder. J'avais sauvegardé sur lequel? C'était celui-ci qu'on avait pris. On va sauvegarder dans lui. Épisode plutôt long, hein. Chapitre plutôt long pour une fois. Ok. Ok. Donc là, on est dans le... Ouais, c'est ça, on est ici. Merde, je sais même plus ce que je prends maintenant comme truc. Au pire. On va faire un nouvel emplacement. Ok, d'accord. Bon. Je regarde juste... D'accord, je pense que j'ai dû sauvegarder deux fois le même truc. Ouais, c'est ça, j'ai deux mêmes trucs. Temps total, ok, c'est bon. Ok, bon, on va s'arrêter là pour cet épisode 6. Fort mouvementé. On aura retrouvé brièvement Kidman. On va se taper la nénette à lui patte, je vous assure que j'ai vraiment pas envie de me la farcir. Ok, bon. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire à la vidéo, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Twitter si ça vous intéresse. Le lien est dans la description. Si vous voulez suivre mes dessins que je poste sur Instagram, vous pouvez y aller de ce pas. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde. Darkness twisting.